Un vélo à terre, un vélo à terre, je répète, un vélo à terre. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, on est sur la chapelle de Montrieu. Fait un moment qu'on n'est pas venu là, il fait frais, c'est ce qu'on cherche en été. Tu mettrais presque une petite veste au départ, bon ça va pas durer, mais il fait frais, il fait bon, c'est beau, ça va être bien sympa. Allez, on part de là. Allez, c'est parti, on attaque directement en montée ici, c'est cash. On a un groupe réduit aujourd'hui, on est 5, 3 VE, 2 musculaires, il y a Gabi, ils sont derrière. Voilà, il n'y a plus qu'à se faire plaisir. Bon, on a récupéré le premier single, ça va être un petit peu cardio, c'est super sympa. Ben par contre, faut que j'essaie d'éteindre et redémarrer le biclou là. J'ai l'impression que j'ai pas d'assistance en écho. Et même dans les autres, là, c'est bizarre, ça fait des à-coups. On va voir ça. Ah, les petites montées qui montent. Bon, finalement, tu vois, c'est moi qui ne veux pas avoir les watts matin parce que là, ça marche l'écho. C'est moi qui vais être juste fatigué. Là je monte tranquille même. Pourtant ça monte. Après j'ai pas le téléphone de brancher, est-ce que ça joue? Il a plus de batterie, il est éteint. Allez, ça là elle est faite. Donc je valide que l'assistance marche. Allez, on continue notre ascension. Au lieu de prendre la DFCI, on prend les petits singles qui est à côté. C'est pas beau en plus. Pour l'été là, il fait vraiment frais. Là-dedans, on est bien. Dès qu'on sort au soleil, ça tabasse. Dès qu'on est là-dedans, direct t'as mis la clim. À fond. Dérapage. À droite. Chouhou. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Ça fait du bien. Même si j'ai le dos en vrac, en compote, quand j'appuie sur les pédales, ça me fait mal. Je suis heureux. Allez, on continue tranquille. Allez, tranquillou. Là, on a récupéré la DFCI parce qu'on n'a pas trop le choix. Enfin, on pourrait prendre celle qui est sur la droite, mais là, ça monte sévère. On a fait plutôt une descente, ça là. Ouais. Regardez comme c'est bon. On passe entre les rochers. C'est magnifique. On est bien. Petit coin de dépaysement. Là. Quand on est ici, tu as l'impression que t'es parti à la montagne, là j'ai l'impression d'être en vacances. Enfin, si ça pouvait être vrai, j'en ai marre, j'ai plus envie de travailler là. Vivement les vacances. Ah punaise, on avait une belle petite montée, bien caillouteuse, bien joueuse, un petit peu technique. Ils nous l'ont fracassé. Ils ont tout aplani. Voilà. Bon après, ça doit être pour les risques incendie et pouvoir se déplacer plus vite. Ce que je veux dire, c'est que tu fracasses tout, ça fait des années que c'est comme ça, et après toi on te casse les couilles parce que avec ton vélo, même à pied, t'as abîmé un petit peu le sentier quoi. Et tu ne mets pas dans des états comme ça quoi, c'est déconné. Enfin bon, c'est tout détruit. Ça c'est moins beau. Allez, on se rend découvrir le premier point de vue. Non, c'est pas Gabi, c'est ce qu'il y a derrière. Ouais, faut pas déconner. Ouais. Pas beau ça les amis. Et on est là en place. Pas. Allez, on continue tranquillement notre périple là, ça. Bon, c'est... faut pas appeler ça une descente. Hein. On prend un peu de la vitesse, là c'est du faux plat. Et bing, on remonte encore, mais tu vois, par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que pour l'instant, on est toujours à l'ombre. Et avec les températures qu'il fait, ça a du bon. Qu'est-ce que je veux dire? Je sais plus. Ah ouais, le seul truc qu'il y a sur cette sortie, moi je le trouve, hein, qui est un petit peu embêtant c'est, par rapport à d'autres sorties, c'est qu'en fait tu fais que monter. Et à la fin, tu fais que descendre. Un peu comme quand on est en montagne. Il n'y a pas d'intermédiaire en fait entre les deux. Donc, c'est pour ça que là-haut, sur le début de la vidéo, on va avoir beaucoup plus
de monter, mais ma foi, ça reste quand même, si tu regardes autour de nous, ça reste quand même super beau, super ludique. On s'embête pas, quoi. Allez, on est dans la montée. L'amour qui tue. Bon, en musculaire, je crois que j'avais réussi une ou deux fois. Là, normalement, ça devrait passer easy. Par contre, je sais pas si mon choix de mode, moi je me mets souvent en tour plus. Je trouve qu'il déboîte, toi. Il cabre beaucoup. Je sais pas, faut que je me penche. C'est vrai que là, je prends le vélo, je m'en bats le steak. Je me suis pas penché sur mes différentes capacités de mode. Bon, là, on verra. C'est. Finger is an house. Yes. Bon, ben, elle était pas si dure, hein. Je me la voyais plus difficile. Ah, et si je me rappelle bien, ça descendouille. Un tout petit poil, là. Ah, mais c'est pareil, ils ont tout. Ils ont tout aplati. Wesh. Allez, ça redescend. Là, ça nous redescend sur la route. Et on va aller direction la bergerie. On va se faire juste un petit morceau de route. Ah non, mais non, je riais, je me suis trompé. Il y a encore de la petite montée alors. On a récupéré un petit peu de DFCI, on est en plein soleil. Bon, ça va, mais pas trop chaud. Là, cette fois-ci, ça va nous redescendre sur le morceau de route. Et on va aller voir la ferme. Je sais plus comment c'est, la ferme de quoi, je sais plus. C'est la ferme ta gueule. Voilà. Allez, hop. Allez, on longe la route sur un petit single parce que dès qu'on peut en prendre un, nous. Tu nous connais, on est dedans. En plus, il est un petit peu descendant. Il va nous ramener sur la ferme de je sais plus quoi. La ferme de Soublin, je crois. Ouh, c'est bon. Des fois, je me laisse emmener. Mais j'oublie que faut le freiner le bois. Oh, allez, voilà. Et nous voilà arrivés à la ferme de Soublin. Oh là, elle est là. Non, c'est un arbre, ça. Ah, elle est belle, hein. Ça valait quand même le coup de pédaler jusqu'à là, non? Allez, on continue à pédaler sur un petit single. On est bien. Là, ça va nous ramener... j'ai pas les noms, mais... En fait, on a fait une boucle, ça nous ramène presque. Ça nous ramène au petit single qu'on a fait en montant, là, je vous ai dit, juste avant la route, là, le petit single technique, machin. Et voilà, on est encore à l'ombre, dans un petit sous-bois qui nous fait penser au. Qui est un petit peu désert de vacances. Il fait 25, là, ça a descendu de 2 degrés entre, quand on est. Avant qu'on rentre dans le single, il y a toujours un petit vent frais, là. Putain, mais. On est bien. Voilà. Bon, allez, on va essayer de se faire ça. Et ouais, mais je sais pas où passer. Loupé. Allez, on a retrouvé la DFCI d'où on venait, là. Et maintenant, direction la première belle descente. Ça part de là. Est-ce que vous la sentez? Sentez un peu.
ça sent pas la bonne descente arriver là. Est-ce que ça sent pas la bonne descente arriver? Eh mais si, ça va arriver. À droite. Allez, c'est parti. Fallait que j'allume montre parce que j'ai oublié de l'allumer. On a dit de la bonne descente. Promets-moi les étoiles, promets-moi de l'histoire, promets-moi de m'attendre, promets-moi les nanana, je serai toutes les autres, oui toutes les autres, promets-moi. C'est bon ça, yes. Même si je suis pas des plus rapides, je me régale. Voilà. Droite, gauche, milieu. Ouh, tchou. Yes, papa. Hop là. Gros caillou. Aïe. Bon ça. C'est bon ça. C'est bon ça. Ouh. Des fois on l'a fait en plein hiver. C'est tout trempé. Voilà, ça roulotte un peu quand même aussi. Un coin sympa, arrête et je filme mes copains. Ouf. Ce qui me manque encore un peu, c'est le physique là, pour tenir le guidon. Là, normalement, arrivé en bas, j'ai un jeu de plaquettes. Merde, c'est con, elle était neuve. Oh, ça doit descendre, on verra bien. C'est descendu. Mais tu sais quoi, on va s'arrêter là pour filmer, pour voir ce qu'ils font les copains. Allez hop. Joli. Au rocher, il n'y a pas une grosse marche. Non, non, sérieux. Tu disais quoi? Non, je te disais, tu pouvais y aller. On va essayer de repartir de là-dedans. Hop. Oui, c'est... remettre de jambes là. Ah, celle-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous la trouvez. Celle-là, pour moi, elle est top moumoute. Elle est top moumoute. Et encore, moi, je suis pas un fatigué ou du teston. J'arrive pas, mais ceux qui ont du pilotage, ils doivent encore plus se faire plaisir là-dedans. Hop là. Un petit peu la faute là. Normalement, si j'étais bon, je devrais rattraper Alain, mais... Il va rouler. J'espère qu'ils vont pas continuer tout droit là, tu me diras. Bon, finalement, pour mes histoires de suspension, j'ai réouvert un petit peu derrière. Et franchement, c'est déjà mieux. Je crois que j'ai fait chauffer un peu mes freins. Allez, je vous avais dit, on a fait que monter au départ, mais maintenant, on va beaucoup descendre.
normalement un petit peu moins technique, plus rapide. Ça j'aime bien aussi, tu vois. Ça remonte un peu, je m'en rappelle plus. Allez, on a récupéré le petit single, le premier single qu'on a fait ce matin. On prend en sens inverse. Et si on la loupe pas, on va se prendre une belle descente qui va nous ramener jusqu'aux voitures. Là, ça va descendre un poil de cul. Les petits coups de cul qu'on a descendu ce matin. Un peu plus loin, je crois, je sais plus. Voilà. Toujours à l'ombre, dans des beaux singles. On est au top là, topissime. Allez, ça descendouille un tout petit peu. Je me sens un peu trop à l'aise et du coup, je fais des erreurs. Je suis un petit peu moins concentré. Allez, pour se reprendre, il y a trop de choses, un peu plus loin. Allez, on y est, là, la descente secrète. On l'a pas loupé. Et elle se voit presque pas. Alors, vous ne le dites pas, parce qu'elle est secrète. De toute façon, elle est nulle, regarde. Elle est tout en sous-bois, c'est moche. Ça descend beaucoup, ça fait peur. Voilà. Gabi qui me met la pression derrière, moi j'y arrive pas. Je passe. Gabi, si je t'emmerde, tu me le dis, je me mets sur le côté. Non, j'accélère un peu aussi, je peux. Mais ça fait peur si j'accélère. C'est où là? Je me suis trompé. Allez, première partie terminée. Maintenant, on va aller se chercher la deuxième. Ça remonte où? Il y a juste un poil de cul. Et la deuxième, il y a un petit tronçon que j'affectionne pas particulièrement. Donc on verra bien avec celui-là quand on y sera. La petite boulette. Manque de rapidité le sel. On arrive sur la partie que j'aime pas. Oh putain. Ah, franchement avec celui-là ça passait encore, j'étais mal positionné. J'étais un peu trop à l'arrière. Là ça glisse ça. Ah, les caillasses, elles partent. Je te dis pas. Plusieurs effets. On est presque au bagnole et puis on va voir si Gabi se sont pas trompés, si c'est parce qu'ils ont roulé très vite, ce qui m'étonnerait pas, parce qu'ils ont envoyé en descente. Ah, ils sont en bas, ils ont envoyé du pâté en descente.
Allez, on est en bas. C'est fini. Le nouveau maillot. Oh là là. Oh, oh putain, il a déjà déchiré le nouveau. Il a déjà déchiré le nouveau maillot. Ouais, mais moi, franchement, Jean-Louis n'y en donne plus, ça sert à rien. Il abîme tout, il voit pas les branches. Donne rien, il voit, payé, hein. Il voit plus les branches. Bon, on lui vend plus rien. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait une super sortie. Ouais, ouais, super. Voilà. Pas trop chaude, de beaux singles, des belles descentes à la fin, toutes condensées à la fin, mais de belles descentes. Ouais. Enfin, une très très belle sortie. Il n'y a plus qu'à revenir. À la prochaine, tout le monde. Ciao. Voilà.